Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Incroyable, c'était surpris de Je n'avais pas compris que tu venais, je pensais que t'allais réglir un rideau. Non, moi... Non, d'accord, tu viens de derrière. Moi, je prends de l'élan, moi. Aujourd'hui, ça fait... Alors, peut-être pas aujourd'hui, le jour même. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais chercher ma canette, mais tranquille. Mais vas-y, j'explique. Ok, ok. Ça va faire bientôt un an. Ouais, ça fait même un tout petit peu plus d'un an. On a fait cette série de vidéos où on lit des fanfictions sur moi et Neoxy. Et du coup, je me suis dit, pour fêter ça, il y a un an de plaisir. Et ben, on va reproduire tout ce qu'on a lu. Oui. On a dû faire une blague là-dessus dans un épisode. C'est que les gens marcellent encore aujourd'hui en me disant, on attend toujours le court métrage. Non, bah non. non. Mais ils sont trop cons. Non. Vous êtes trop premier degré, on rigolait quand on a dit ça. Non, il y a trop de premier degré là. C'est pas possible. Non, y a pas de... On va pas se galocher dans une voiture en mangeant un McDo, gros, t'imagines? Non, après si on est bourré un peu ou quoi. Ah oui, après c'est. Non. Du coup, aujourd'hui, on va relire une fanfiction. Vous êtes content? Moi aussi. C'est parti. Ok, donc il y a 15 chapitres. On va pas forcément tout lire dans cette vidéo. Il y aura peut-être sous plusieurs. On va pas tout lire à moi. Ah, je te confirme. Point de vue de Chris. Ça commence. Je suis stressé alors que. Je sens que je vais avoir des frissons. C'est pas les bons prix. Il y a des moments où on va se regarder avec un petit blanc. Ah ouais, ça se trouve, il y a rien de sexuel, de bizarre. Hein. Ouais, non. Je me fis réveiller par la lumière du jour. Je rigole déjà là, que c'est pas drôle. Je frottais mes yeux pour qu'ils s'habituent à cette clarté. Je me penchais vers mon téléphone. Merde, plus de batterie. De toute façon, on était dimanche, je n'avais rien de prévu. Je me mis assis, puis j'étirais mes bras. J'avais des courbatures plein le dos. Ah ouais, j'espère que c'est pas parce que... J'ai juste mal au dos comme d'hab. Les squats, tout ça, normal. C'est la scoliose, c'est rien de bizarre quoi. Clorette, quoi. Hein? Que s'est-il passé hier? Ah oui, la soirée. Ah, oui, c'est la soirée. La soirée. Ah putain, je le sens. Il a fallu 5 lignes pour que ça parte. Mais y'a rien en plus encore. Y'a rien, hein, mais bon. Je me suis levé et après avoir branché mon téléphone et enfilé un pull, je me dirigeais vers ma cuisine. Le carrelage sous mes pieds était froid. Je pris un bol de céréales et alla sur mon canapé. J'étais vraiment fatigué. Après avoir bu tout cet alcool hier soir, je pense que c'est normal. Je mis un animé sur Netflix puis je me blottis dans mon plaid. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup écouté la télé. Je ne fis que repenser à cette soirée. Pour faire simple, Maxime avait organisé une petite soirée chez lui avec quelques personnes, quelques monteurs et cadreurs, dont moi bien évidemment. Alors sûrement dans la fanfiction, je serais sûrement monteur ou cadreur, un des deux, mais rip. À un moment, faut faire le deuil, hein, d'accord. Parce que hier, encore, ce moment-là, je discutais et il y a un mec qui me disait, mais t'es plus le monteur d'un mixem. Et j'étais en mode, bah, ça fait un an, frère. Un effort. Je suis mort. Nous nous sommes rendus vers 19h, il y avait déjà de la musique en arrivant. Maxime sorti de nulle part, bouteille d'alcool en main, s'avança vers nous en criant de joie. J'ai vu Maxime bourré une seule fois dans ma vie. Il déposait un verre et bouteille sur la table basse. On s'est servi des shots, on a tout bu cul sec. Ça pique. Je vis celui qui n'était pas là, comme d'habitude. Il regardait le verre avec hésitation, c'était Neoxy. Pourtant, d'habitude, t'es pas avec hésitation. Non. Il était à un bout du canapé, assis, non confortablement, je pense. Ah, j'ai l'œil pour ça. Tu devais avoir un truc sous le cul ou un truc. Télécommande, quelque chose. Tu sens vraiment une comme ça, ça va. Il était tout droit, à peine cambré, main sur les genoux. Quand je le vis, je me fis un peu de peine. Qu'est-ce qu'il avait? Bon, là, c'est une discussion basique pour l'instant. On est gêné. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc là. Hey, Neoxy, t'es sûr que tout va bien? Neoxy! N'ayant pas de réponse, je me levais et allais m'asseoir à côté de lui. Alors je sais que le fait qu'on rigole, vous pouvez croire qu'on est vraiment gêné, y a pas de van. On pourrait croire que c'est surjeu ou quoi, mais y'a zéro van. Zéro van. C'est juste que moi j'essaie de me faire tout le truc dans ma tête, genre ça se passait vraiment. Je sais ce qui va arriver, et c'est ça qui m'énerve. Oh bordel de merde. Ok, donc il sursauta quand j'arrive. Mais aussi, je trouve que t'es pas normal. Y'a quelque chose? Ah, Chris. Oh, enfin non, tout va bien. Lança-t-il avec un sourire un peu forcé. Oh putain, mais On va se gueuler, je crois. Allez, ça en va ta petite phrase là. Allez, il est là ta présence là. Tu sais que je suis là, hein. Tu peux me parler si quelque chose va pas. Ouais, je sais, merci. Conversation nulle. Putain. Il regarda encore une fois son verre, le prix et le but cul sec. J'étais un peu étonné. Je me dirigeais vers d'autres monteurs en gardant un œil sur lui. Vous allez vous dire, bah quoi, Chris, cette soirée n'a pas l'air si affreuse que ça. Bon, en fait, si. Les problèmes allaient arriver. Bref, j'ai rigolé avec quelques monteurs cadreurs tout en gardant un œil sur Neoxy. Pourquoi il était comme ça? Pourquoi rien me dire? Est-ce que c'est de ma faute? Hey Chris, ça va? T'as l'air pensif. Ah Maxime, ouais ça va, c'est juste Neoxy. Neoxy, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que tu vois rien. Tu l'as enfin remarqué? Oh non. Je joue Maxime qui a remarqué un truc sur moi. Et moi je sais pas ce que je remarque, putain de merde. Hein? Bah ouais,
Ça se voit depuis deux semaines au moins. Attends, mais d'où Maxime, il voit que tu veux me pêcher, frère. Je sais pas. Le nombre de soirées qu'on a fait avec Maxime, ça fiche. De toute façon, c'est peut-être pas ça. Hein. Ah oui, peut-être. Ça se trouve, c'est encore juste malade, hein, truc. Ouais, je sais pas. Mais de quoi tu parles? Bah, de Neoxy. De quoi on parle là en fait? Fait que Neoxy n'a pas l'air bien depuis le début de la soirée, et toi, de quoi tu parlais? Ah, ouais, c'est vrai. Il t'a rien dit? Il m'a juste dit qu'il allait bien, et je sais que c'est faux. Mais tu sais quoi, toi? Dis-moi, Max. En fait, j'imagine parler à Maxime comme ça. Mais dis-moi, Max. Mais dis-moi, Max, là. C'est tellement nul, putain. T'as vraiment rien remarqué dans votre relation depuis quelques semaines? Ah, ça y est. Ah, il y a des problèmes. À vrai dire, il est un peu distant, mais j'avais jamais fait gaffe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je te laisse. Je vais voir les autres. À plus. Mais c'est horrible, cette histoire, wesh. Ouais. Pourquoi il se barre? Mais... il balance un truc. Et après, ah non, j'ai jamais remarqué. Ok, bah, à plus. C'est affreux. Il en a rien à foutre. Sérieux, là? Il me dit ça, il part. Ah, bah voilà. Quand il se retourna, je lui attrapa le bras et lui roula une grosse galoche. Non, c'est faux. Je le laissa partir, déboussolé. Quand je rejoins le canapé, une bonne humeur s'installa. Il était un peu pompette, c'était marrant. Théo s'exclama... Oh, c'est dur à dire quand t'es dyslexique. Théo s'exclama. Hey, venez, on fait un aspire et souffle. Je vois pas du tout Théo faire ça. Ouais, hey, on fait un aspire et souffle. On dirait un jeu de Harry Potter, genre je vois bien Ron dire ça. Aspire et souffle. Ok, bon, du coup je fais ma c'est quoi ça? Vous connaissez pas? Ah là, c'est moi, ouais. Du coup. C'est, je suis deux personnes. Moi je connaissais effectivement. Attends, c'est quoi ce ton? Je raconte une enquête coulée. Je connaissais effectivement. Et là, Jane m'a rejoint dans l'aventure. Il part dans la jungle, enculé. Je connaissais effectivement. On va garder ça, hein, ok. Ouh. Quand j'étais en colo, on s'amusait à jouer à ça. J'ai jamais été en colo. Non. C'est là où j'ai pu avoir mon premier bisou avec un garçon. Pardon? De quoi? Non. Comment ça? C'est... Ah ouais? Ouais. Bah, première nouvelle. Ok, je savais pas. Alors le but est de se faire passer la carte de personne en personne, sans la faire tomber. En gros, on colle une carte, donc je sais pas, imaginons... Ah, pour l'écologie de... Imaginons cette base de Doliprane. Et du coup, j'ai ça sur la bouche en fait, et Valentin, tu viens vers moi... Ou une autre et personne. Tu te poses... Ou quelqu'un d'autre, par exemple. Attends. On est que deux. Ah ouais. Donc Valentin vient contre moi, il prend ça, et du coup il souffle, il aspire en fait. Ouais, pour essayer de... Et on doit se passer la carte en carte. C'est pas très Covid par contre. Ah ouais, c'est plus trop Covid. On peut plus jouer à ça. C'est dommage. Tu comprends, restriction. C'est compliqué là. En gros, si la carte elle tombe, bah au final tu fais un bisou à la personne. Ouais, voilà. Mais pourquoi on a jamais fait ça avant? Pas forcément entre nous, attention. Ah ouais. Ah, attention. Ouais, attends, ça, après. Ouais. En soirée quoi. Faut kiffer le délire quoi. Oui, bah ça c'est sûr que c'est un délire. Donc la partie commence et Neoxy met la carte sur lui. Il arriva vers moi et là la carte est tombée. Nos lèvres à moi et étaient très proches. Bon, on peut, si tu veux illustrer. Non, pas obligé de. Pas okay. Obligé on illustre pas. Et là ma réaction, je dis un coup de jus parcourut mon corps. Un peu l'adrénaline, je pense, c'est l'excitation. Genre, je pense que je à ce moment-là. Attends, ah pardon, pas. Non. Je suis pas sûr de ça, tu vois. Nous écartons à ce contact. Je sentis mes joues chauffer. Les autres commençaient à s'échauffer. Tout le monde allait se pécho, en fait. C'était un putain de gang manque dans le truc. Maxime dit... Oulala, Chris rougit. Oh gosse, là, je vais te niquer ton petit cul, là. Hein? Il a pas dit tout ça, hein. Ah, il a juste dit... Oula, Chris rougit, pardon. J'ai lu un peu trop. Et là, un monteur cria... Bon, on a notre nouveau couple. Vous êtes cons, c'est juste un bisou. Ah ouais. J'aurais pas dit ça, j'aurais pas dit ça. J'en étais là, non, c'est pas fait exprès là. C'est quoi? Elle est tombée la carte. Mais bon, là apparemment vous êtes tous, c'est juste un bisou. Je restais silencieux, un peu troublé. Merde, c'était quoi ça? Un frisson? Je vais fumer, je reviens. Ah bah c'est vrai que je fume de ouf. Ah bah voilà ma réaction, c'est tu fumes toi? Ah bâtard, tu fumes. Ça termine, putain. Ah Chris, non, je dis ça pour m'éclipser. Tu voulais quelque chose? Oui, des explications. Mais attends, mais la carte est tombée, les frères. C'est comme ça. Mais déjà, jamais dans la vie, en soirée, aurait joué à ce jeu. Non, jamais. Jamais de la vie. Non, jamais. Val. Jamais. Hein? Non, rien. J'ai l'impression que t'as douté. Non, je savais plus si c'était à moi de parler ou pas. Ok, cool. Tout de suite. Non, je vais y aller, t'inquiète. Val, ça se voit que tu as quelque chose. Dis-moi, je me fais du souci pour toi. Ouais, bon, c'est vrai. En fait... Il releva la tête, me regardait dans les yeux. Et me dit... Attends, je suis là. Je me souviens plus. Vraiment, ça foutait des frissons d'enculé. Oh putain, phrase, elle est horrible. Je crois qu'il y a tellement de pression sur ma phrase. Genre, tout le monde l'attend, tu vois. Même là, nous. C'est la phrase de la vidéo, gros. Nous, on l'a vu avant, mais je pleure. Voilà. Attends, laisse-moi pleurer un peu. Attends, je suis mes larmes. Ah bah non, c'est là encore pleurer elle après. Dis-moi. C'est toi que j'aime, putain. Wow! Ah! C'est bon, c'est dit. Wow! Ok.
Attends, c'est vrai ce qui vient de se passer? Neoxy vient de me dévoiler ses sentiments là? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que je l'aime moi aussi? Non. Attends. Je doute là, je suis hétéro, j'ai jamais eu de sentiment pour les hommes. Ouais bah ça va. Pourquoi j'ai déjà embrassé un garçon dans ce cas-là? Je suis mort. Le mec, je suis hétéro putain. Moi je suis un hétéro moi, un vrai hétéro. Je sais plus quoi dire là. Ne te sens pas obligé, je sais que c'est pas réciproque, dit-il en baissant la tête. Je sais que t'es complètement hétéro. T'es complètement hétéro. Non, c'est comme si c'était une maladie quoi, alors t'es complètement hétéro. J'alla dans la salle de bain, je referma la porte derrière moi, posa mes mains sur le lavabo et me regardais dans le miroir. Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est quoi le sentiment qui me fait mal au cœur? L'amour. C'est de l'amour là. Ok. Un McDo? On finit toujours au McDo, frère. Oh, zig zig zig. Mon téléphone vibra. Je vous en supplie, je vais faire une sonnerie, vous êtes libre de la mettre sur votre téléphone, attention vous êtes prêts. Zig zig zig. Zig zig zig. Voilà. Récupérez le MP3, je vous le mets dans la description si vous voulez. Non, vous êtes pas obligé. Si. Mon téléphone vibra, je le prie, c'était Neoxy. Salut Chris, pas venu à la Redbox depuis le début de la semaine, ça va? Pourrais parler s'il te plaît? Ah, c'est très solennel, wesh, tu m'as même mis ma mal à l'aise. J'ai cru que là j'ai l'impression d'avoir fait une connerie quoi. C'est horrible. Ma gorge se serra. De quoi voulait-il qu'on parle? De ton avis connard. Ça te dit un McDo à midi? Waouh. Comme un rancard. Ah, on garde McDo, frère. Bah ouais, entre un bon petit grand McDo et un petit rang. À chaque fois que tu vas proposer un McDo, je suis en mode putain. Je crois qu'il veut me pécho. J'accepte. Y aura-t-il des conséquences? Je commençais à ranger un peu mon appart, c'était un 70 mètres carrés. Wow, putain, mais c'est vachement plus grand qu'ici. Vers 11h30, j'envoyais un message à Neoxy. Ouais, on se rejoint direct au McDo. Ou au centre-ville? Oui, au centre-ville, en face de la gare, dans 15 minutes, ça te va? Je pris mes affaires. Quand j'abaissa la poignée, un frisson parcourut mon corps. J'ai senti des trucs dans mon ventre. Attends, quoi? Je vais juste voir Neoxy. Je ne l'aime pas. Ah bah super. Non, je t'aime pas. Attends, je veux dire le dernier mot après. Le bisou de samedi soir me hanta l'esprit. Je secoua ma tête pour chasser ces images. Je me retourne la personne. Oh non, je veux plus voir ça dans ma tête. Je marchais vers la gare. Je vis un blanc. Ah non. Je marchais vers la gare. Je vis un banc libre et m'y asseya. Mon ventre était tout serré. J'ai pris ma tête entre mes mains. Je vois vraiment écrire ça. Je suis fatigué. Mon ventre était tout serré. Allais-je vraiment revoir celui que j'aime? Ah bah ça y est, je me suis décidé sur le trajet, frère. En 2 secondes. Mon regard s'arrêta sur lui. Il était là, à 20 mètres de moi. Il me redressa, m'avançant vers lui. Au moins 1000 papillons s'envolèrent du creux de mon ventre. Merde. Je crois réellement que je l'apprécie beaucoup. Ah, c'était pas la même avec YouTube. C'était ça. C'est vrai. Je crois réellement que je l'aime. Il me regarda un peu gêné. Bah ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Salut Chris, ça va? T'as fait bonne route? Ah, t'habites à côté, mais... Ouais, non, laisse tomber. Coucou Val. Ouais, ça va. Et toi? Merde, je bégaye vraiment là. Du coup, on va manger? Ouais, juste avant, faut que tu saches quelque chose. Oui, dis-moi tout. En fait, je sors avec... Oh mon dieu, attends, le chapitre s'arrête comme ça là? Non, non, attends, c'est pas fini. Ah, suite au prochain chapitre. Ah ok, j'ai envie d'arrêter la vidéo là. Quoi? Ah c'est ça, c'est pendant que moi je me réveillais. Donc là on va voir ce que t'as, toi ton point de vue avant qu'on se rejoigne. Ah ouais, ok, putain trop bien. J'ai embrassé celui que j'aime. Waouh, merde, cette soirée était étrange. Pourquoi Théo a voulu qu'on joue à ce jeu de merde? Quand nos lèvres se sont touchées, j'ai eu des frissons dans tout mon corps. J'ai senti mes joues chauffer. Merde, j'aime Chris. Ça fait 3 semaines que je l'aime. Comment lui dire? Comment dire à son cadreur que j'ai des sentiments pour lui? Comment il va réagir si je lui dis? Trop de questions viennent me tourmenter. Je devais mettre tout cela au clair. J'ai dû rester 2 bonnes minutes devant mon écran avant d'envoyer un message à Chris. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai réussi à conclure un rancard au McDo avec lui. Attends, j'ai vraiment dit rancard là? Putain! Personne réagit comme ça. Un sketch de Norman, wesh. C'est pas possible pour Norman. Ah ouais, non, enfin. Bon, reprenons nos esprits. Nouveau message de Chrisou. Tu m'appelles Chrisou? Ouais, je t'appelle vraiment Chrisou en plus. Oui. On se rejoint au McDo au centre-ville? Oui, centre-ville, en face de la gare dans 15 minutes, ça te va? Il m'affirma dans la minute suivante. J'ai pris quelques affaires et me dirigea vers ma trottinette électrique. J'accrochais ma trottinette à un porte-vélo au centre-ville et me dirigea vers la gare. Je jetais la foule. Je te vois comme ça. Je le vis là, assis sur un banc, la tête entre ses mains. Moi je suis en dépression. Je te vois en volant. Moi je suis comme ça, gros. Je suis au bout de ma vie. Non, je l'aime. Je l'aime ou je l'aime pas, qu'est-ce que je fais? Mon ventre se serra. Je m'arrêta pour l'observer un moment. Il était si beau. Je vis qu'il relevait la tête. Je m'avança. 20 mètres nous séparaient. C'était trop. Beaucoup trop. Non. Pardon, c'est le stress. Non, c'est. Je vais me casser tout le monde. Excuse-moi. Non, mais. Je le regarda, gêné, et brisa le silence. Salut Chris, ça va? Coucou, Val. Ouais, ça va et toi? Il était trop craquant comme ça avec sa bouille et ses cheveux en bataille. Ah, son petit cul là, toujours. C'est quoi? C'est vraiment pas écrit ça. Hein. Non, mais c'est mon cerveau à chaque fois. Il veut toujours rajouter des petits mots comme ça. C'est bizarre, mec. Ouf. Du coup, on va manger? C'est plutôt toi que j'ai envie de manger.
plutôt toi que j'ai envie de manger, imbécile. Et si je faisais un test de jalousie? Ouais, juste avant, il faut que tu saches que quelque chose. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Ouais, dis-moi tout. En fait, je sors avec... À la gorge, je sors avec Théo. Putain, j'ai fait une grosse boulette non réparable. Ok, je m'attendais pas à ça. Point de vue de Chris. La réaction un peu trop exagérée. En fait, vu que c'est en full match dans ma tête, il est en... Il hurle. Wow, putain de merde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Neoxy aime Théo? Je panique. J'ai envie de me jeter sur lui et de le frapper. Oh, autant que je peux. Le psychopathe. C'est un peu trop ça. Pourquoi il m'a avoué ses sentiments pour après me faire ça? C'est vraiment une grosse p***, une s***. Genre vraiment, je le déteste quoi. Genre, c'est vraiment un enc***. Merde quoi, genre vraiment je peux pas quoi. Non, c'est pas écrit, et puis en plus quand t'es en train de parler, tu regardais un peu par terre, tu regardais même pas le texte, donc comme si t'avais toi-même choisi les mots. Ah non mais j'ai confondu je pense avec d'autres mots. Ah ok, ok. Dans un autre chapitre je pense. Ah ouais ok, non je trouvais que ça sortait du cœur, c'est pour ça. Bon, ok ok. Tu te doutes bien que... Ça va, ça me rassure. Quand même quoi, ouais, bah alors. Allez, je l'aimais là du coup. Hein. Nous nous dirigeons vers le McDo. Je n'osais pas le regarder dans les yeux, je n'osais pas imaginer que Théo m'avait fait ça. Alors, j'ai envoyé un message discrètement à Théo. T'es sérieux là? Pourquoi tu m'as rien dit? Je pensais qu'on était proches. Ça va Chris? T'as pas l'air dans ton assiette. Il posa la main sur moi d'un geste de réflexe, je le retira. Je peux te poser une question? Ok. Là on est dans la tête de Neoxy. Je panique. Pourquoi je dis que je sortais avec Théo? Le pauvre, il n'est même pas gay. Comment il a pu y croire l'autre con? Et si Chris lui avait parlé? Je vous ai mis dans une sacrée merde là. Ouais vas-y. Depuis quand vous êtes ensemble avec Théo? Ça fait à peine une semaine. Point de vue de Chris. J'ai senti son regard brûlant sur moi. Je relevis la tête, ses beaux yeux bruns me traversaient tout le corps. Je l'aimais tellement. Mon téléphone vibra, je le regardais. T'as un message de Théo. Il me demandait de quoi je parlais. Je lui expliquais qu'il sortait avec Neoxy. Et il me dit qu'il se passait rien entre lui et Val. Je reste bouche bée. Il a osé me mentir. Je lui lança un regard noir et il vit que j'avais répondu à un message. Qu'est-ce qui va pas? Rien, je dois y aller. C'est toi que j'aime, depuis le début. Je sors pas avec Théo. C'était qu'un mensonge de ma part, je suis désolé. Une larme roula sur ma joue. C'est pas cool hein. Elle a roulé, elle est comme ça. sur l'autoroute. Je vois une larme, tu sais, avec des lunettes de... Je lui répondis pas et sortis sans me retourner. Yo Val, ça va? Faudrait qu'on parle. Je peux venir chez toi? Salut Théo, de quoi tu veux qu'on parle? Je pense que tu sais. Ok, bien dans 15 minutes. J'attendrai sur mon canapé quand la sonnerie retentit. J'ouvris à Théo. Salut, vas-y, installe-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, c'est bon, merci. Il a l'air énervé, ça sent rien de bon. Donc, tu voulais? Val, pourquoi tu as dit à Chris qu'on était ensemble? Sachant que c'est pas vrai. Wouah, t'y vas cash, toi. Tu sais très bien que je n'aime pas passer par quatre chemins. Ouais, je sais. Je vais tout t'expliquer. Il m'écoute attentivement. Je lui dévoila mes sentiments pour Chris. Je lui raconta mon ressenti de la soirée de samedi. Le McDo de mercredi, bref, tout. Je me sentais en confiance avec lui. Je savais qu'il comprendrait. Ah, je comprends mieux. Et toi, comment t'as su que je l'aimais? J'ai l'œil. Ça se voyait que tu rougissais et que tu bégayais devant lui. Et que tu bavais comme ça là pour lui prendre le dard. Je vais voir ce que je peux faire avec Chris. Fais-moi confiance, ça va aller. Point de vue de Chris. Oh Théo, que voulait-il? Yo mec, je reviens à la Redbox aujourd'hui et je dois parler d'une chose. Je lui répondis que je venais et qu'on pouvait parler après le tournage. J'arrive à la Redbox, je pris une tasse de café alors que j'en bois pas du tout. Et alla au studio de Maxime. Il était tôt. Quand je me dirigea vers le studio, une voix m'appela. Quelqu'un m'attrapa le bras. Je me retournais. Qu'est-ce que t'as Chris? Laisse-moi. J'ai du boulot. Chris, stop. Ça se voit que t'as envie de pleurer, dis-moi tout. Ça se voit que t'as envie de chialer, espèce de grosse merde. Son regard de braise me fit frissonner. Mes yeux mouillés le regardaient. Du moment que c'est des yeux, ça va. Oh, c'est chaud, là. Il glissa sa main sur ma... Oh, c'est chaud, là. T'allais faire quoi, là? Non, rien, rien. Non, parce que t'avais un petit scarabée qui te grimpait sur la... C'est bizarre, quand même. Ouais, ouais. Il glissa sa main sur ma joue et il m'essuya une larme. Je vis ses yeux glisser sur mes lèvres. Ouais. Tu sais, il y a une technique quand tu dragues, c'est de regarder les lèvres de la personne tout le temps avec insistante un peu pour qu'elle comprenne que t'as envie, tu vois. Ah ouais. Ça marche. Je vois que, ok, d'accord. Technique comme ça. Ouais, faites-le. Tu regardes souvent mes lèvres, François. Ça, quoi? Tu regardes souvent mes lèvres? Non, non. Ok. Non. Ça va, mec? Oui. Bah, ça va trop bien. J'ai l'impression que. Hein? J'ai un problème sur le pull, gros. Non, je te regarde juste, quoi. Ok, ok, arrête de regarder un peu. Tu veux pas qu'on fasse d'autres vidéos ensemble? Ah, c'est... Je vis ses yeux glisser sur mes lèvres. Je voulais briser la distance qui nous séparait. Il le fit avant moi. Ses 12 lèvres viennent se poser sur les miennes. Ah. Le problème. Aïe, aïe, aïe. Cela me procura un éclair. Le long de ma colonne. Il se décolla soudainement. Pardon, j'aurais jamais dû. Je souris et repris ses lèvres avec passion. Oh non. Sentant ses mains glisser sur mes hanches, m'amenant plus près de lui, je posa mes mains sur sa nuque. J'ai toutes des images dans ma tête. Si là je te soulève et que je te prends comme ça, c'est trop. On va baiser dans le studio de Maxime, frère. Oh, putain, non, mais ça se trouve, c'est encore plus hardcore que tout ce qu'on a pu lire. En passant ma main dans ses cheveux, ce doux baiser se transforma en un baiser fougueux. Je n'aurais voulu échanger ce moment contre rien au monde. On se sépara pour reprendre notre souffle. Ouais, on était en apnée, gros. Voilà, quoi. Je n'eus pas le temps de reprendre une respiration stable que Valentin me fit tourner. Me plaqua quand... Oh non, non. Parce que cette position, je la connais. Ça n'annonce rien de bon. J'ai vu la suite. Ah non. Moi, j'ai pas vu la suite. Il me fait tourner, plaqué contre un mur et remplit mon cou de petits bisous.
Cela m'arracha un râle de plaisir. Ses mains viennent palper mon torse. C'est tellement agréable. Oh, j'ai toutes les images où je te vois passer ta main sous mon, sous mon haut et tout. Aussi, et... mais j'aimerais bien plus l'avoir. C'était tellement agréable. Ah oh, non, mal. Il reprit mes lèvres, s'entrouvit ma bouche et j'ai senti la langue de Nux. Laisse-moi tranquille. Oh là là. Ouais, bah désolé. Oui, on est tous choqués, Rachid. J'ai senti la langue de Neoxys s'insinuer dans mes lèvres. Cette chaleur, j'en avais besoin. C'était vital pour moi. Tout d'un coup, une des portes s'ouvrit. Pardon, j'ai rien vu. Semblait se reconnaître. La porte se referma aussi vite. Nous nous regardons essoufflés. Un sourire vient de se dessiner sur le visage de mon bien-aimé. Il était si beau. Je vais voir qui c'est. On met ça à plus tard. Me lança-t-il avec un petit clin d'œil. Je te vois faire ça en mode. A plus. Hein? Oh mais c'est la salope. Ton petit cul là, tu me regardes après. Je n'eus pas le temps de répondre qu'il se faufila par la porte. Je l'ai vraiment embrassé là. Bah, c'est plus qu'embrassé, voici, c'est une agression là. Un sourire vint sur mes lèvres, je n'arrivais pas à l'enlever. Je me posa dans le studio de Maxime, sur une des chaises. Je repensais à lui, à ses lèvres, à sa chaleur corporelle, à son parfum, à sa langue. Il se plongea dans ma bouche. C'était parfait. Waouh, tu m'as fait peur, Chris. T'es déjà là? Oh, salut Maxime. Ouais, j'étais un peu en avance. Qu'est-ce que tu faisais? Le même sourire avait ensoleillé mon visage. Je n'arrivais pas à le contenir. Oh, c'est rien. Bref, on tourne. Il prépara tout le matériel nécessaire pour la vidéo. On se mit en place et commençons à filmer. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour cette première partie? Je pense que là, ouais. On sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, on va se repécho. Là, c'est sûr et certain que ce qui se passe après, c'est... Vu comment c'est écrit là, on est tous les deux en train de patienter. Ouais, frère. Ouais. On va avoir envie d'avoir se défoncer là, de se prendre contre un mur comme ça, attends, de te retourner, de te bam 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 taper dedans, tu vois. Ouais, non, non, j'ai un peu trop hardcore, c'est quand même. Ouais, peut-être. On n'est pas au même niveau que la dernière fois. Là, et... c'est moins friendly. Là, je sens que c'est déjà. Je sens que la personne qui écrit, elle s'est dit, ça peut aller quoi. Il y a des longues parties pareilles, des trucs. Ça passe, ça passe. Donc, quand elle va devoir aller au point maximum, et on le connaît ce point maximum. On le sait, on sait ce que ça va être. Sachant qu'il y a encore 10 chapitres. Avec petit faux pas, l'annonce tête à tête, un dîner, le drame, un autre couple. Oh, mais attends, il y a trop de trucs. Donc, ça annonce que du bon. Et j'espère qu'en tout cas, cette nouvelle série va vous plaire. Je pense qu'il y aura deux vidéos, je pense pas trois, peut-être trois, mais on verra. Ça dépendra du temps des autres chapitres. Mais en tout cas, je suis trop content de refaire ça. Moi, je suis à moitié content et à moitié. Ouais, forcément, c'est au début, on n'est pas à l'aise. Ouais. Après, on commence vraiment à se tromper. C'est ça le problème. Pourquoi ça, le problème? Donc, bah, c'est qu'on commence à être un peu plus. Après, tu veux pas qu'on aille à la Redbox après, genre dans le studio de Maxime? J'ai dû oublier un objectif, un truc. Je suis plus là-bas, donc j'ai plus le badge, moi je peux pas rentrer direct. Mais je l'ai, mec, ça tombe bien. Ouais, mais on peut pas rentrer à plusieurs d'un coup. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. C'est bizarre que j'ai oublié ce détail parce que ça me. Bon, ouais. Bref. On se fera ça, t'inquiète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Noxy d'avoir accepté de revenir. Je sais pas si c'est souffrir ou prendre du plaisir, mais un peu non, des moi deux. Moi j'aime bien, ça fait... Non, mais c'est cool. Bref, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour évidemment ne pas louper l'épisode 2, ça serait dommage. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Vous pouvez lâcher votre petit commentaire, votre petit like. Et puis voilà, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Faites une danse comme moi, c'est cool de faire des danses comme moi. Ne faites pas ça. En tout cas, pas celle-là. Bref, des bisous, rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et à très vite pour l'épisode 2. Ciao les beaux gosses. Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.